Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour une vidéo Palia dans laquelle nous allons faire ensemble la quête sur la touche. Asiane est venue te demander de l'aide et Shay veut bannir To du centre du village, mais Asiane est convaincue qu'il y a une explication au comportement étrange de To. Il veut que tu trouves des indices pouvant disculper ce pauvre petit chien. Cherche tout ce qui pourrait s'avérer utile au domaine du maire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a quatre indices à trouver. J'ai commencé à vous trouver les indices là au moment où je vous lis ce message, mais c'est parce que je voulais faire une autre quête, et en voulant faire cette autre quête, j'ai trouvé des indices, mais ne vous inquiétez pas, je vous les montrerai tout de suite dans la vidéo. C'est parti! Alors. Inspecter. Oh! Une lettre non ouverte est rangée dans le tiroir du haut de ce meuble. En l'ouvrant, tu te rends compte que quelqu'un a renversé toute une bouteille d'encre dessus. Mince! Oh, attendez, j'ai pas eu le temps de lire! Oh non! Bon, en tout cas, on a une adresse. Donc si je regarde sur la carte, on me dit toujours d'être ici. Ok, on va chercher ici. Inspecter. Ok. À un moment, on va rentrer dans cette pièce et on va voir ce qu'il y a là. Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on nous a fait plusieurs remarques en nous disant Nomi, c'est bizarre qu'il y ait cette porte-là qui est toujours fermée à clé. Et Shay ne veut pas du tout qu'on y aille. Ça mène sous les escaliers. Où ça mène sous les escaliers? C'est Eloisa qui nous a dit ça et qui est très très intriguée par cette porte aussi. Et je suis sûre qu'à un moment de l'histoire, on va pouvoir y aller. C'est pas là. On va regarder dans la pièce là. Ouh, tu as trouvé une réserve des encas de Kenli. Celles-ci semblent contenir un mélange de sucré et de salé, deux saveurs indispensables à toute séance de stress du milieu d'après-midi. Kenli. C'est quoi comme encas du coup? Moi j'adore le sucré salé en plus. Une pile de papier est cachée dans le tiroir du haut de ce bureau. Le premier d'entre eux est recouvert de boucles chargées en tout genre, formant une sorte de motif étrange. En y regardant de plus près, il semblerait que Kenli se soit entraîné à signer. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, on va faire la quête sur la touche. Et on reviendra sur l'autre quête après, j'imagine. Donc là, je crois avoir tout fouillé. On m'a dit aussi à l'extérieur. Les empreintes de pas. C'est ça, c'est les empreintes de pas. Il faut, parce qu'on nous dit d'où venait-il, c'est pour ça que je l'ai remonté dans ce sens-là. La terre semble avoir été foulée de manière habituelle par ici, comme si une certaine personne se faufilait tous les soirs par la fenêtre à l'abri des regards. Oh! Attendez. Attendez, attendez, attendez. Par la fenêtre. Mais la personne sort de la fenêtre, on est d'accord. On va parler à Asiane. Je suis en train de parler avec sa maman. Tu as eu la chance dans tes recherches? Montrer les preuves à Asiane. Je le savais. Les bois ont été assez faciles à résoudre, surtout après avoir regardé Kenyatta travailler. Et il a dû creuser ses trous pour faire déguerpir les chapas du jardin. Ces menaces vont détruire la composition de la terre pendant des années si on ne s'en occupe pas. Ce que je ne comprends pas, ce sont les journaux. Ishii et la duchesse ne s'aiment pas beaucoup. Je vois, il croyait peut-être que ces nouvelles allaient lui faire du mal. Ça se tient. Je savais qu'il y avait une raison. Merci Nomi, je vais présenter cette preuve au conseil. Ils n'auront pas d'autre choix que de changer de point de vue. On dirait que To veut te donner quelque chose. Pourquoi tu ne lui demandes pas? To veut nous donner quelque chose? To? To saute de joie en te voyant. To, attends, tu te fais traîner par Asiane! Sauter avec lui. To part en courant et revient en poussant une grande boîte. Il part à côté et attend avec impatience. Ouvrir la boîte.
À l'intérieur se trouve une parfaite nouvelle création. Oh, voilà, quête terminée. Sur la touche. Grandeur nature de Tau sous... Oh, sous forme de peluche. On a une peluche de Tau. On a l'impression qu'Asiane a un peu aidé Tau à la fabriquer. Oh, mon dieu, regardez la peluche dans mon inventaire. Je vais la poser dans ma maison. Comme ça, vous allez voir aussi à quoi elle ressemble. Oh mon dieu, ça va être trop mignon. Placée. Oh, elle est trop mimi. On la met où? On peut pas la mettre ici? Ah si, on peut. Regardez. Oh, et il tire la langue. Oh non, mon dieu, c'est trop chou avec la petite langue qui pendouille. Oh. Je veux cette peluche dans la vraie vie. Les devs, si vous nous faites cette peluche dans la vraie vie, je vous jure, plein de gens vont l'acheter parce que c'est trop trop chou. Surtout avec la petite langue qui pendouille. Il est trop chou, qu'en pensez-vous? Et voilà, nous avons fini la quête. Qu'en avez-vous pensé? J'adore la peluche, je la trouve super méga adorable. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo, de la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt, bisous bisous!